Tchou! Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour. Avec aujourd'hui, le Kubo X15. Eh oui, bah Kubo, ils ne font que des jolis téléphones, vous allez voir. Avec un écran, il faut l'acheter, voilà, un processeur. Tout est bien, tout est pas mal, hein? Pas tout. Allez, il faut voir ça en vidéo. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on dit plus après générique. Et après, pas un geek. Aujourd'hui, on va tester le Kubo X15. Alors, c'est vrai que c'était parfait, partie des demandes. On me dit, est-ce que tu testes le Kubo X15? Donc, on a demandé une boutique, parce qu'on n'a pas de deal avec Kubo. On a demandé une boutique, on dit, non, vous n'auriez pas le Kubo X15, parce que mon membre nous le demande. Et hop là, voilà, on l'a reçu. Pas mal, joli. Alors, on va attaquer par le contenu de la boîte. Alors, une boîte de la boîte qui est pas incroyable, mais qui intègre quand même, bon, un manuel d'utilisation, oui, il y a. Mais une coque, voilà, une coque rigide et tout, qui est bien, vous voyez, juste avec les petits bords, comme ça. C'est-à-dire qu'on a une coque qui est plutôt discrète. En fait, elle se voit pas trop, mais ça protège un peu les bords et ça protège un petit peu l'avant du téléphone. Après, dans le paquet, j'en trouve un extracteur SIM, un film protecteur avant, bien. Et après, on trouvera, bon, bah, pas bien grand chose, hein, on va pas faire un câble USB, un chargeur secteur. Hein, donc voilà, on aura fait un petit peu. J'ai cru que j'avais dit une connerie, mais en fait, non, j'étais bien. Câble USB, chargeur secteur. Ici, on vous explique un peu les doubles SIM, qu'on verra ça tout à l'heure. Parce que bah, c'est bien. Voilà, double SIM ou micro SD. Vous voyez, comme on avait vu un petit peu chez les Huawei. Et ben voilà, c'est une bonne idée. C'est un concept qui est repris, copié de tous les côtés. Donc c'est que c'était une bonne idée. On attaque par notre téléphone, ici, voilà, donc certains l'auront vu, c'est quand même un très joli smartphone, et on va attaquer toujours, bah ouais, comme toujours, par notre premier personnage exceptionnel, qui Hi boys and girls. Maître le pouce. Allez, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, l'écran. L'écran, on est sur un écran de, ici, de Bora Bora. Bah oui, c'est les vacances. De 5,5 pouces, la largeur du téléphone. Alors, on est sur du 153, ici. La hauteur du téléphone, on est sur du 77. Là, c'est pas mal. On va prendre notre pied à coulisse, parce qu'en fait, vous allez voir que le téléphone n'est pas super épais. Donc, c'est quand même plutôt bien vu. Ici, vous voyez, on est sur du 7,76. En fait, vous voyez pas. Vous voyez, hein. Hop là, ici, on se met comme ça. Attendez, là, je suis sur la grosse partie, voilà, comme ça. Voilà, 7,47, 48. Bon, on prend le poids avec notre balance à shit, hein, forcément. Alors, depuis que j'ai regardé, je me suis tapé la série entière de Narco, voilà, quoi. J'ai bien compris que je n'avais plus l'exclusivité de cette balance. Le poids de l'animal, ici. Alors, on est sur un téléphone qui fait 176 grammes. Oui, parce qu'on a quand même une micro SD dedans. Alors, on prend un petit peu notre téléphone ici. On va baisser un petit peu la caméra. Voilà. Ça sera notre téléphone, c'est un Unibody. Bah oui, c'est pas une marque de string. C'est un. En fait, vous pouvez pas l'ouvrir. Voilà. Vous pourrez pas ouvrir le cache arrière pour la batterie. Donc, voilà, ne cherchez pas et tout. Même si, vous voyez, le plastique n'est pas d'une qualité incroyable à l'arrière. Et j'ai vraiment cru que c'était un truc qui était clipsé. Alors, je ne vous cache pas qu'en forçant un peu, à mon avis, ça va dégager facilement, mais ça n'a aucun intérêt. Vous n'avez accès à rien. Alors, sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on-off. Sur le dessus, un jack 3.5, ici. Sur le côté, alors, le côté qui nous intéresse. On va prendre notre extracteur de SIM, qui est toujours posé. Ah, voilà, sur mon réveil, ici. Alors, on retrouvera bien une carte SIM, ici. Hop là, et une deuxième, là. On va regarder un petit peu, parce que c'est intéressant. Ah, il a pas aimé. Alors, c'est une nano SIM ou une non, c'est une micro SIM. C'est une micro SIM ici qu'on peut mettre, voilà, hop là. Et enfin, la partie sur le côté, la partie la plus intéressante du dossier, on va essayer de le mettre un petit peu à l'endroit. Voilà. Vous allez pouvoir mettre soit une micro SIM, soit une micro SD. Donc là, c'est quand même plutôt bien vu, hein. Ça laisse vraiment la possibilité de soit vous avez besoin de deux SIM, donc dans ce cas, c'est bien, soit vous avez plutôt besoin d'une micro SD, et dans ce cas, ça peut être pas mal. Alors, pour les frontaliers ou si vous avez besoin de mémoire, c'est une très très bonne idée que je valide. Alors ici, dessous, on trouvera bon, bah, les grilles de haut-parleurs, on verra ça tout à l'heure. Notre connectique micro USB, je suis en train de chercher mon OTG qui a disparu. Putain, c'est bien de pouvoir couper là, regardez, hop, il revient. Bah, l'OTG, il était à l'autre bout de la pièce, mais voilà. On le met dessus, ça s'allume, ça veut dire que notre téléphone est bien OTG. Ça veut dire que vous pourrez y connecter avec ce genre d'accessoire, bah, soit une clé USB, soit une carte micro SD, une carte SD, éventuellement recharger le téléphone, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant si hop, on peut bien charger. Donc, comme toujours, nous, vous l'avez compris, pendant que notre alien s'est échappé, on prend le chargeur secteur ici, hop, avec 6 prises USB. Hop là, ensuite on revient. Boum, là, là. On va entendre
va remettre un peu mon alien. C'était un peu le problème que j'ai vu avec l'alien, c'est qu'il voulait s'échapper. Il voulait retourner, dans sa maison. Le câble, alors on prend un câble ici avec le multimètre, donc c'est pas mal, comme ça on voit un petit peu la tension et... Oui, bah, faut faire attention surtout. La tension et la charge. Alors, on est sur du 5V 31 ici et on consomme 0,87 ampères. Donc ça charge quand même plutôt pas mal, à savoir que la tension s'ajuste. Hein. Après, on va aller un petit peu haut, on va réduire. 4V 112, on est bien. Alors par contre, un des détails qui fera qu'on utilise un petit peu ça, ça sera surtout que vous remarquerez qu'il n'y a pas de voyant, de LED de notification. Voilà, il n'y en a pas. Pas du tout. Et on charge et il n'y a rien du tout. Pas de LED de notification. Donc c'est un petit peu dommage. Hein, pour moi, j'aurais préféré qu'ils mettent une LED notification parce que c'est bien la mode. Alors on prend hop là, avec nos petits clips AA. Vous trouvez tout dans la Geek Shop, hein, facile. Mais c'est bien pratique. Vous voyez, on met nos petits ici. On met là-bas et on clip directement. Alors ça permet de les clipper sur le bureau, sur les supports et tout. C'est bien pratique. Alors on revient ici sur notre téléphone. Alors ce qu'on va faire, on va le mettre à l'endroit. Ça fera plus joli. À l'arrière, notre appareil photo ici avec un LED flash. Bon, le logo Tecubo, là on est pas mal. À l'avant, pour y noter tout de suite. C'est, vous voyez, ici on a une très très faible espace, et en haut aussi, et le contour, vous voyez, en métal. Alors apparemment ils disent vraiment que c'est du métal, hein, tout le châssis et tout, donc ou de l'aluminium. Donc on a un téléphone qui est quand même très joli et très compact. On le met en route ici. Alors, première chose que vous allez voir ici, pour déverrouiller, oui, par contre les boutons pour retour, ils sont là. Alors, je sais pas si vous allez bien les voir ici, vous voyez, on a les petits boutons là. Alors, il ne se rétroéclairait pas. Il se rétroéclairage pas de même. Pas du tout même. Et par contre, ils sont juste en bas. Donc, c'est un petit peu déroutant au début. Vous voyez, parce qu'on aurait tendance à vouloir appuyer sur le plastique. Il ne se passe rien. Il faut vraiment appuyer ici pour que ça vibre un petit peu. Moi, je le sens bien vibrer. Ce qui fait toujours plaisir. Faut qu'il arrête de donner des coups de pied dans la caméra. Hein, sinon, c'était gênant. Ici. Donc, on a un téléphone qui est quand même plutôt... qui est joli. Moi, personnellement, je trouve que le design vraiment me plaît beaucoup. Et alors, les IMEI 35, on rappelle, 35-86, ça pose plus de problèmes. Depuis qu'en Europe, les fabricants vendent des téléphones en 64, 66, 33, en 35 ou 86. Le mode ingénieur, ici, on va sur les Band Mode, ici, SIM 1, donc on a bien un téléphone qui est 2G, donc full 2G, il n'y a pas de problème. 3G, 850, 900, 1700, 1900, 2000, donc on est pas mal. Et enfin, au niveau du 4G, B1, B2, B3, B4, B7, B17 et B20. Vous avez coulé le porte-avions et les avions qui étaient dessus là, complet. Donc on a un téléphone qui est full fréquence. On va regarder un petit peu notre CPU identifiant pour savoir ce que notre téléphone a dans le ventre. Toujours intéressant de savoir le moteur, la grosse partie de la voiture. Alors on est sur un quad-core, on est sur un MT6735, donc un 4 x 1,3 Go noté ici. Sur la fiche, 1,3 Go, donc on est pas mal. On lance l'évaluation, donc c'est un quad-core, un Mediatek, un 64 bits, donc en plus, c'est un bon petit processeur hein, qui fonctionne plutôt bien et à mon avis, qui vous suffira largement. Mais on verra ça à la fin dans le bilan, parce que bon, on dira, oh, un quad-core, donc de Dieu, il y a 2 ans de ça, on était avec des dual-cores, c'était la fête, hein, déjà. Alors, 18 113 pour un core et 72 452 pour 4 cores. On est pas mal. Allez, on continue et on enchaîne sans plus tarder par notre troisième personne exceptionnelle qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin. Alors, je vous fais quand même un peu le score. Alors, j'ai pas réussi à mettre le score. En fait, j'ai une vieille version en toutou pourri en 4.0 que je mets à jour normalement. Email, mettre à jour. Et là, ça aujourd'hui, ça veut pas. Bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi. 21 232, c'est correct. C'est un quad-core. On va prendre un peu le téléphone. Un Cubase 15, Android de 5.1, MT6735. Là, on est d'accord. Un écran Full HD. Quand même, c'est important à noter. La RAM, la ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, on vient d'en parler à l'instant. L'écran, donc on a un Mali T720 pour le GPU et un écran Full HD. Alors 5,5 pouces, c'est pas mal. Caméra arrière 16, caméra avant 8. Apparemment, on nous parle d'interpolation sur la fiche du vendeur. L'OS 5.1, ici, enfin les sensors. On a juste le e-compass, le gyrosensor, le température sensor, le pressure sensor. Ah non, bah non, c'est... Il est con, je lis tout. Il n'y a pas. Alors, ce qu'il y a, le direction sensor, le G-sensor, le proximité sensor, le light sensor, oui. Et enfin, le distance sensor. Bah oui, tous les autres, il y a marqué notre support. Je suis parti. Non, mais aujourd'hui, il est parti. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de faire le test le matin, alors que j'avais dit l'après-midi. Le matin, je suis chaud patate. Alors, la technique ici, on va prendre ça, la ROM est à ROM, ici, on va prendre le stockage, le téléphone nous est donné pour un 16Go, ici, donc sur les 16Go, alors il n'est pas disponible 29, disponible 14, je ne sais pas pourquoi ils ont rangé comme ça, alors ici, ils sont là, nos 16Go, alors,
Sur les 16 Go, il reste 11 Go 101, soit 9 Go de libre pour installer photos, vidéos, MP3. Mais encore une fois, vous aurez la bonne chose, une micro SD, comme nous on a installé à l'intérieur. On prend nos applications en cours, ça permettra de voir un petit peu la RAM du téléphone. Alors on a un téléphone qui 560 de RAM, 210 pour les applications et 1 Go 1 de disponible. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Alors on résume, 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus ta ROM qui peut mettre de la micro SD dedans. Donc là c'est pas mal, jusqu'à 32 Go sans trop de problèmes. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Là, pour voir un petit peu. Alors le GPS, non, on va cacher un peu le suspense. L'accéléromètre, bon bah ça accéléromètre sans trop de problème ici. Le compas, vous voyez, il me dit que non. La radio en même temps, il me dit que non. Mais on l'a bien vu parce que la radio, elle est bien juste notée. Attendez, c'est que j'ai vu. C'est qu'il a vu. J'ai vu marqué radio là tout à l'heure que je m'étais en train de me perturber. Non. Non, bon, on verra ça tout à l'heure avec... je l'ai vu, je vous promets que je l'ai vu. Là, émission FM, voilà, c'est sur la deuxième page, donc on a bien la radio. Au niveau de la ROM, bon, on est sur du 5.1, donc classique, ici, donc on retrouve nos applications, là, on a mis les usages à fond, on a le OcNote, quand même une bonne chose, une OcNote, on vous rappelle, ah, cette caméra, nouvel emplacement, pas terrible. Alors, le OcNote, on vous le rappelle, c'est un espèce de NFC ou du transfert de fichiers sans contact, voilà, à la mode médiathèque. On revient ici, on revient sur notre téléphone, les paramètres, on va regarder un petit peu les applications. Wi-Fi, Bluetooth, OcNote, carte SIM, gestion de données, affichage, son notification, on va regarder un petit peu le son, ce que ça donne, sonnerie du téléphone. Est-ce qu'on a un truc bel? Voilà, on met le son à fond. Non, c'est bien, ça a l'air pas mal. Le son est ici. Non, c'est bien, c'est assez puissant. Alors, bout audio, vibrer. Alors, vibrer quand le téléphone a un numérotation sonore, son des touches, vibre au toucher. Pas mal. On revient ici, affichage, notification. Alors, la batterie, les applications, non. Localisation, on a vu. Gesture sensing, donc ça, c'est pas mal. Ça permet de faire des petites LED sur l'écran. Take a picture in a camera, musique, voilà. Ça, c'est des petites fonctions qui font toujours plaisir, hein, vraiment. Smart Away, voilà, donc Smart Away, ça vous permet quand vous faites un C de démarrer la caméra, de double taper sur l'écran pour le lancer, enfin, voilà, des petites fonctions qui sont plutôt sympathiques, des petites fonctions WA que vous pouvez des fois télécharger, vous voyez, sur le Play Store, mais quand elles sont intégrées comme ça dedans, c'est bien. Compte, langue suivie, impression, voilà, donc un téléphone qui est quand même juste classique, avec toutes les fonctions WA, vous voyez, sur le gesture, le Air Control. Alors, la musique ici, on regarde, donc, ils ont relooké un peu là, vous voyez, la ROM, ils l'ont relooké un peu, ça plaira pas à tout le monde, moi je sais que je suis pas super fan, je préfère la ROM Android Stock, mais bon, pourquoi pas. Alors, on a bien le Play Store IDO, on a bien Gmail, on a même YouTube, je veux dire, apparemment, vous avez tout ça, vous êtes peinard. On va revenir un petit peu ici, on va essayer d'écouter un petit peu de musique, là, alors Britney Spears. J'ai plus l'album de mon poteau Élise Le Baron, là. Ça va pas, ça va falloir que je le réinstalle. C'est dans une autre carte mémoire, j'ai dû mixer un peu les cartes. Alors on va mettre Britney Spears, ici, c'est parti. Alors, un son qui n'est pas ultra puissant, encore une fois. Donc on est pas mal, hein. On a un son, vous voyez, bon... Voilà, bon, son médium. Et on monte un petit peu dans les hauts médiums, c'est bien. Pas trop d'aigu, vous voyez, ça siffle pas. Mais on a un petit peu de, on a un petit peu de bas médium quand même, vous voyez. On a une espèce, vous voyez, une espèce de simili grave, comme ça. Il sort d'où le son? En fait, il sort plus de. Ouais, il faut mettre bien le doigt. Hein. Ouais, il faut mettre bien le doigt. Hein. Donc, non, un son qui est correct, un petit peu caverneux. On sent que le haut-parleur est un petit peu en retrait, donc ça fait une espèce de petite caisse de résonance. C'est pas dérangeant. C'est pas magnifique, mais c'est pas dérangeant. Au niveau des vidéos, alors nos petites meufs. Allez, on va mettre celle-là. Là. Elle me plaît bien celle-là de vidéo ici. Ouh là là là, on va enlever le son parce qu'apparemment, on m'a dit voilà, les problèmes de YouTube, c'est vraiment le son, même s'ils n'aiment pas l'image. On met la vidéo en plein écran ici. Vidéo très très jolie, hein. J'suis jamais tombé là-dessus là. C'est pas mes petites coréennes, ça. Mokba. Bah, Mokba, ça veut dire Russie hein. En russe. Ouais, tout le monde peut le savoir. Je le sais parce que voilà, quoi. Ça veut dire patriote, tavalesh, Louski. Là, bon, c'est pas mal, ça. Elle est jolie, cette petite vidéo, là. En plus, elle doit pas y avoir beaucoup de droit. Je sens que je vais la pomper. Je vais la pomper pour la mettre sur ma carte mémoire. Un petit copier-coller, là. Hop. Non, très bien, vous voyez, sur la Russie et tout, c'est pas mal. Bonne idée. Donc, un écran, ici. Bon, vous voyez, avec un écran avec un angle de 180 degrés. C'est pas mal. Elle est jolie cette petite vidéo là en plus sur la Russie. Et on a des jeux de petits effets, non je... Et on voit bien la qualité de l'écran et tout, c'est pas mal. En plus c'est vraiment comme ça, hein, c'est vraiment Moscou. Hein.
Ça, ça ressemble comme ça. Là, par contre, on est quand même un peu plus en Chine. Hop, on est revenu à je sais pas où. Ouais, ça mixe un peu. Oui, c'est ça un peu. Oui, c'est ça un peu la Russie. Ouais, des gros buildings, puis au milieu, l'espèce de machin. Voilà. Donc, très joli. On va pas s'éterner une heure et demie sur Moscou, mais c'était une belle vidéo qui m'a bien fait surprise de moi-même. Alors, au niveau des jeux, certains vont être contents, ah, il y a Asphalt, ouais, il va nous tester Asphalt. Et ben non, parce que, en fait, vous avez compris maintenant, quand on installe des jeux comme ça, il y a une reconnaissance sur le Play Store directement. Et bah voilà, ils l'ont installé, mais nous, depuis la Chine, ça ne marche pas. Vous voyez, ça mouline, ça essaie de se connecter à Internet. Internet dit que non, et le jeu ne fonctionne pas. Voilà. C'est un peu pour ça qu'on est obligé de toujours tester un peu le même jeu. Non pas qu'on ait des bourricots, que j'arrive pas à installer un jeu, mais bien que maintenant, beaucoup de jeux ont une reconnaissance comme ça. Et voilà, merci la Chine. On peut pas tout installer sur n'importe quoi. Même si on aurait tendance à le croire, parce qu'on peut quand même installer quand même pas mal de trucs. On peut trouver tout ce qu'on veut sur le market. Et bien, comme quoi, les jeux, vous voyez, comme ça en natif, ça ne marche pas. Alors, notre jeu, on prend un petit jeu en 3D. Je pense qu'il n'y aura vraiment pas de problème au niveau de l'appareil. Bon, ça fonctionne bien. Je suis pas mauvais aujourd'hui. Faut que je joue le matin. Ici. Il a pas touché le mur, hop, ça y est. Il a fallu que je le dise. Donc là, c'est pas mal. Allez, on continue. Ici, l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, vous allez avoir une caméra frontale. Ici, caméra frontale qui nous est donnée pour du 8 pixels. Apparemment, c'est du 5 interpolé en 8. Et comme toujours, vous allez découvrir une photo. Maintenant. Voilà. Ça permet de détendre un petit peu. Hein. Ensuite, alors, caméra arrière, là, on peut aller. Donc, nous, on met des photos toujours en plein écran. Ça permet de mettre des plus jolies intégrations quand je fais la vidéo. Donc, en full écran, on peut aller jusqu'à 9,5 millions de pixels. Sinon, vous pouvez aller jusqu'à 16 millions de pixels. Vous voyez, si vous mettez en 4 tiers, ici, hop, on met en 4 tiers. Et là, automatiquement, vous pouvez monter en 16 millions de pixels. Même si, voilà, sur la fiche du fabricant, enfin, sur la fiche du vendeur, apparemment, ça sent l'interpolation. On va rien dire. Allez, on va se mettre là. On va prendre notre... Allez, on va... Non, aujourd'hui, on prend Tortue Géniale. J'ai décidé... Ici, voilà, c'est sauvé. Hop là, notre tortue géniale. Là, on regarde, c'est pas mal. Bon, c'est pas hyper net. Hein. Voyez, on se demande s'il n'y a pas un film protecteur, mais non, en fait, hein, j'avais bien vérifié. Bon, après, à cause de l'éclairage, vous voyez, on a un truc qui tire un peu blanc, mais en même temps, on n'a pas un vilain contour, même si ouais, ça granule un petit peu. Hein. Donc, bon, c'est pas du luxe. Hein. Je pense que l'appareil photo fait son 8, voire son 13 millions de pixels, mais après, au-dessus de ça, faut quand même pas déconner, ou à moins que le traitement de l'image soit pas bon, ce qui est aussi probable. Allez, comme toujours, vous allez découvrir trois photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, et enfin, deux photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche, et une photo prise en extérieur à droite. Voilà, ça permet de juger un petit peu. Au niveau des vidéos, les vidéos, vous allez pouvoir faire sans surprise des vidéos jusqu'en Full HD. Et comme toujours, vous allez découvrir deux vidéos en HD, bien sûr. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau où on descend jusqu'à notre tortue géniale et on clique sur l'écran pour forcer l'autofocus. Et une vidéo en extérieur où on part comme toujours des buildings de la gauche vers la droite et on redescend jusqu'à notre chantier. Allez, c'est pas mal. On continue maintenant avec la galerie ici. Alors, on revient. C'est un peu déroutant ces petits boutons, vous voyez en bas comme ça là. Mais bon, en même temps ça marche bien. Alors, premier fixe de notre GPS, premier fixe en 36 secondes. Alors, c'est pas mal, on a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 satellites. C'est tout à fait honorable. 36 secondes, on a vu mieux, on a vu pire, mais c'est pas mal. On s'attendait avec un contour comme ça en aluminium, qui n'est pas vraiment copain avec les GPS, d'avoir un signal qui est moyen. En fait, c'était bien. On éteint le téléphone, on le rallume, et là, on a eu un fixe en 1 seconde avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 satellites. Donc, c'est quand même plutôt bien, on va dire. Premier fixe 30 secondes, deuxième fixe. Je veux dire, rien à dire de chez rien à dire. Si on doit comparer notre téléphone, alors on va comparer comme toujours, on va prendre notre Note 3, ici, en attendant d'avoir un Note 5. Bah oui, on ne désespère pas. Alors, au niveau des proportions et des tailles, vous voyez, on a des téléphones qui sont, au niveau du design, assez similaires, hein, si ce n'est le bouton Home. Alors, contour aluminium, ici, vous voyez la largeur, il a un tout petit peu moins large, mais pas beaucoup. L'épaisseur, ça se vaut ici. La hauteur, on est sur quasiment la même chose. Le nôtre est un petit peu plus haut, malgré qu'il soit un petit peu moins grand. Et au niveau de l'arrière, vous voyez, on a un téléphone qui est, moi, je trouve bien, je trouve beau. Voilà, après, les goûts, les couleurs, on aura bien compris dans les commentaires que c'est pas toujours les mêmes. Mais moi, je l'aime bien. Alors, ensuite, au niveau du web. Alors, ici, on va regarder un petit peu le web. C'est pas toujours les mêmes images. On se met sur Bing.com, ici. Voilà, on choisit les images. On va prendre les petites meufs, là, de l'aérospace. De Top Gun. Voilà, c'est ça, chercher le mot. C'est-à-dire l'aérospatial de Top Gun.
Voilà. Et ça permettra d'attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Alors, l'écran 5,5 pouces en Full HD avec une bordure 2,5D, vous avez vu, c'est quand même plutôt joli. Le processeur MT6735, un 4x1,3 Go, c'est très très bien, ça suffit largement. Il est double SIM ou micro SD, Full 2G, 3G, 4G, ça on l'aura vu, c'est bien. 2Go de RAM plus 16Go de ROM plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 32Go sans trop de problème. Là, c'est quand même pas mal. Les deux caméras, 16 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, 8 millions à l'avant. Ça suffit, ça fait le taf, ça fait de la petite photo, c'est pas mal. Si vous voulez faire de la grosse photo, achetez-vous un réflexe, ça sera quand même vachement mieux. La version Android 5.1, c'est pas mal. La batterie quand même assez conséquente qui est donnée pour du 2750 mAh. Ça me paraît un peu beaucoup, mais bon, voilà, bon, s'ils le disent, c'est qu'elle doit faire au moins 2300. J'aurais bien aimé les fonctions WOW, style le Smart Cowet, le Air Gesture, choses comme ça, des choses qu'on n'a pas rappelées en faisant le C, machin comme ça, mais petites fonctions qui sont sympathiques. Et enfin, sa finition avec le contour en métal ou aluminium, c'est bien, c'est joli, c'est pas mal, ça fait quali. Je trouve que c'est un téléphone qui est quand même relativement beau. Ce téléphone-là nous a été envoyé par iFox, myfox.fr, et eux le vendent 149,90€. Je trouve pas ça excessivement cher, je trouve que c'est quand même un très joli téléphone. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, moi, je regretterais qu'il n'y ait pas de batterie amovible. Oui et non, on en revient, hein, de ces batteries amovibles, mais en fait, il faut quand même le noter. La coque en arrière, vous voyez, comme ça, qui fait un peu plastique clipsable. Vous voyez, je trouve qu'ils ont pu mettre un plastique un peu plus glorieux. Ça fait vraiment la coque qu'on clipse. Alors, à mon avis, c'est une coque qu'on clipse qu'ils ont collée, simplement. Mais voilà, le plastique n'est pas hyper glorieux. Enfin, encore une fois, là, on chipote, c'est un détail. Palette de notification, là, par contre, c'est un petit peu dommage. Une petite LED notification, ça aurait pu être bien. Hein, de la caser au moins quelque part. Et enfin, les boutons du bas qui sont certes très jolis, certes très bien intégrés, mais qui sont surtout pas rétroéclairés du tout. Voilà, ça aurait été bien de pouvoir les rétroéclairer. Ou alors, vous avez vu quelque chose dans les menus et je les ai loupés. Mais généralement, quand on charge comme moi, quand c'est rétroéclairé, ça s'allume au moins de force. Voilà, allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, alors il est venu le temps du bilan, un bilan qui sera encore une fois partagé entre deux types de membres. Les types de membres qui vont lui dire, bah attends, franchement, le téléphone 1, il est juste magnifique, il est très complet et il est largement assez puissant pour le quotidien. Et une autre partie qui va me dire, bah non, il n'y a pas un octa-core avec un GPU de la mort et un... et 4Go et un... Eh ben non. Bah ouais, bah là, dans ce cas-là, les gars, c'est un autre problème. Non, ce n'est pas un flagship killer. Et quoique, le téléphone, il est... Voilà, il est beau, il a un quad-core, il a un écran Full HD qui rend bien. Il est double SIM ou micro SD. Alors certes, la batterie n'est pas amovible, c'est un petit truc comme les boutons, les machins comme ça. Mais il a pour lui sa gueule et sa finition. Le téléphone est quand même très quali, il est beau, il fonctionne bien. Et à mon avis, ça suffira largement pour 60-70% des gens. Et après, les 30% qui restent, il y en a au moins 20 qui ont besoin d'un avion de chasse, alors qu'ils s'en servent pas. Et puis les derniers 10% qui sont des purs gamers et qui, eux, ont besoin d'un missile sol-sol. Donc, dans ce cas, ça sera peut-être pas le smartphone qu'il vous faut. Ça sera plutôt pour des gens qui cherchent un bon smartphone maximum. Donc, pour moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment un très, très bon smartphone. Allez, comme toujours, c'est vous qui laissez une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire dans cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce smartphone. Quels sont pour vous les plus de smartphones et quels sont pour vous les moins de smartphones? Je le répète à chaque fois parce que personne ne le fait. Je pense qu'on va l'enlever. Bon, ben voilà. Vous étiez nombreux à dire, oui, on veut donner notre avis, on veut dire ce qu'on pense et tout. Et maintenant qu'on vous donne l'opportunité de le faire, comme toujours. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, GK3R, le R de chien, on va lancer une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Ça, je sais que nombreux à le faire et je vous en remercie. Vous descendez en bas, il y a un bouton partager, vous cliquez et il y a les réseaux sociaux. Voilà, ça fait vachement plaisir. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire à cette vidéo. Voilà, juste pour dire franchement, je comprends pas qu'ils mettent un quad-core sur un smartphone de 2015. Vous pourrez vous amuser à compter combien de fois on va le voir. Oui, je suis d'accord avec toi, franchement, un quad-core, 4 fois. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça pour nous encourager dans notre travail. Si tu n'as vraiment pas un autre travail, que tu n'aimes pas ce que je fais, que tu n'aimes pas mes vidéos, j'allais dire dégage, non, mais un pouce en bas, bien sûr. Fais-toi plaisir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg Le Geek, toujours en direct de Shenzhen en Chine. N'hésite pas à t'abonner à nos chaînes, c'est pas encore fait. Alors, GLG vidéo pour les teasers, GLG reviews pour les reviews et notre dernière vidéo qu'on a mis en bas. Voilà. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Eh ben, franchement, alors abonne-toi. Allez, paix prospérité, à dans un jour ou deux. Hein, paix prospérité.